Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de vous dire le plaisir que nous avons, ma femme et moi, de nous trouver dans cette salle magnifique du Parlement de Catalogne et d'être reçus par son jeune président. Moi qui ai le privilège de dépasser maintenant les 91 ans, je me sens rajeuni par le contact avec ce président et avec son Parlement. Le prix qui m'a été attribué par l'Association espagnole pour les Nations Unies est un honneur auquel je suis particulièrement sensible, puisqu'il rappelle ma longue participation au travail des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Nous avons tous besoin de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Je suis sûr que ici, dans ce Parlement, elles sont chez elles.